19h30, l'écrivain arrive, puis les 12 convives. On se présente, d'abord un peu embarrassé, mais très vite, autour de l'auteur scandinave, la glace se brise. C'est à ce dîner que j'ai rencontré Maria, en novembre 2012. Il était organisé par les Boréales, le festival des cultures nordiques de Caen, en Normandie. Je ne la connaissais pas avant. Je n'avais aucune idée de qui elle était avant d'être conviée à cette soirée. Mais je m'étais quand même pliée à la condition requise pour participer à ce repas. Lire ses livres. C'est moi qui ai raccompagné Maria à son hôtel ce soir-là. Nous avons continué de discuter, longtemps, puis échangé nos adresses mail. Notre correspondance a duré 2 ans. 2 ans sans se voir, mais 2 ans à se découvrir, à parler de nos vies un peu, à parler de création, beaucoup. Maria revient 2 ans plus tard. Elle est là pour 1 mois cette fois. Elle est en pleine écriture de son prochain roman. Et moi, j'aimerais essayer de comprendre. Comment ça fonctionne, la création pour un écrivain ?